y a des nouvelles? Non. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle était chez moi, puis elle a traversé la rue sans regarder. Qu'est-ce qu'elle faisait chez vous? Une interview avec ma femme. Et elle a traversé sans regarder. Vous l'avez vue? J'arrivais quand elle est sortie. Et vous lui avez parlé? Oui. Elle était comment? Elle était nerveuse, irritée? Enfin, je ne comprends pas. On ne traverse pas une rue sans regarder. Docteur, je suis Joan Faulkner, la mère de Vanessa. Bonjour. Comment est-elle? Son état s'est stabilisé, elle est hors de danger. Je peux la voir? Madame Faulkner, Vanessa a eu un terrible accident. Le bassin et des vertèbres ont été fracturés et la moelle épinière est atteinte. Elle ne marchera probablement plus jamais. Je veux la voir. Juste un instant, venez. Notre invitée, Madame Linda Hébert, a remis aujourd'hui sa démission comme directrice de l'information du journal Le Matin. Madame Hébert a publié une nouvelle très importante qui contrecarre, semble-t-il, un projet du groupe Faulkner de Toronto, également propriétaire du Matin. D'après la nouvelle de Madame Hébert, le groupe Faulkner tenterait d'acheter le National de Québec pour ensuite déménager l'équipe à Hamilton. Madame Hébert, si on regarde les choses de très près, dans toute cette histoire, on n'a pas affaire à quelque chose de strictement privé. J'espère que vous ne pensez pas sérieusement à ce que vous venez de dire. Je vous pose la question, Madame Hébert. Parce que ça serait une insulte énorme pour la ville de Québec, qui est propriétaire du Colisée, et aussi pour le gouvernement, qui a injecté plusieurs millions de dollars dans l'agrandissement de l'édifice. D'ailleurs, c'est des millions de dollars qui viennent de votre poche à vous, à moi, puis à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Si vous trouvez que c'est une petite histoire privée, comme vous dites, bien, vous êtes le seul à le penser. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que finalement, le National, pour la vieille capitale, c'est une véritable institution, au même titre que le journal pour lequel vous travaillez, c'est-à-dire Le Matin. Bien, ça aussi, c'est pas une nouvelle pour personne. Écoutez, Le Matin a toujours été reconnu comme étant un journal sérieux et puis profondément aimé de la part des Québécois. Et moi, en tant que journaliste, je peux pas faire partie d'un complot pareil. C'est inadmissible. D'ailleurs, je me demande comment M. le maire, les députés, les conseillers vont pouvoir continuer à traiter avec une entreprise qui s'apprête à les déposséder de leur équipe professionnelle. T'sais, on fait pas de farce, là. Il s'agit d'un vol. Et puis, ils pourront pas empêcher les gens de crier au secours. Mais de même, Mme Hébert, on pourra peut-être pas empêcher le National de tirer des bénéfices ailleurs qu'au Québec. Mais pourquoi faudrait-il que le National appartienne à des intérêts étrangers? Je sais pas, moi, il doit bien y avoir quelqu'un ou des Québécois ensemble qui seraient intéressés à acheter puis à garder cette équipe-là à Québec. Pourquoi faudrait-il que ce soit des étrangers, encore une fois? Madame Hébert, je vous remercie. Nous sommes de retour après la pause. La légendaire fiabilité de la Toyota. Pierre, c'est Guilbeault. Je te ramasse à 7 heures demain matin. Marc? Au sujet de Vanessa Faulkner, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ouais, écoute, la nuit était bien longue, là. Fait que si tu veux, on va parler d'autre chose, OK? Bien bonheur pour une pratique. Salut. Salut. Hey, j'ai écouté ça à la radio, il paraît que Vanessa Faulkner. Ce qu'elle fait ici, hein? Je l'ai appelé. J'ai deux spécialistes de la clinique Mayo qui vont venir ici cet après-midi. Ce sont les meilleurs du monde. Je ne marcherai plus. Oh, mais oui, ma chérie. Oui. Je sens plus mes jambes. Maman, est-ce que m'ont coupé les jambes? Mais non, mais non, ma chérie. Je ne les laisserai pas te faire du mal. I won't let anyone hurt you. Anyone in the world. Feel the things.
peut partir tranquille. Le propriétaire est un de mes amis, puis son restaurant est toujours fermé le matin. Linda, t'as été très efficace à la télévision hier soir. T'as raison. Il y a beaucoup de Québécois qui sont intéressés à acheter le National de Québec. Ah ouais? Qui ça? Nous autres. Nous autres. Acheter le club? C'est la seule façon d'être sûr de conserver le National à Québec. Mais Gilles, tu parles de 21 millions de dollars, là, hein? Tu sais. La Faulkner puis le groupe de Tanner offrent chacun 20 millions de dollars. Ben oui. As-tu ça, 21 millions? Pas moi. Il y a des institutions financières. Ouais, mais Gilles, penses-tu que les banques vont passer 21 millions pour acheter le club? Ça prend du cash pour partir de l'affaire, une couple de millions. À nous trois, on peut aller chercher un million. S'il faut, on donnera des endossements personnels. Puis pour la balance, j'ai un plan. Excuse donc une seconde. Qu'est-ce que je viens faire ici, moi? Ben, Linda, on a besoin de toi. Ta crédibilité est acquise. Tu connais tes dossiers, t'as le respect du milieu. Les relations publiques n'ont pas de secret pour toi. Puis on a besoin de quelqu'un pour faire la coordination. La coordination? Mais ça va être plus que ça. T'as dit nous trois? Je veux que ce soit nous quatre. J'ai largement de quoi payer ma part. Largement. Seulement, va falloir être très discret parce que la bataille va être dure. Moi, ça me va. Bon. Ouais, OK. Je savais que mon offre te tenterait. Écoute, j'y ai repensé, mais j'ai besoin de quelques jours encore. C'est bien. Parce que c'est toi, Jacques. Non, je pars pour la Suisse ce soir. Faut que j'en parle à ma femme, parce que là, je sais plus. C'est pas mon genre. Quand je vais revenir, Peter, ça va être oui ou non. Parfait. Je te garde la job jusqu'à ton retour, Jacques. Miaou, miaou, miaou. T'es bon. T'as-tu rappelé chez Linda? Oui, il y a 10 minutes qu'il n'y avait pas de réponse. C'est la première fois de ma vie que je m'inquiète pour ma grande sœur. Ben non, inquiète-toi pas, là. De toute façon, Linda va s'en sortir. Oui, on est capable. Non, 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 joue pas avec ça. Joue pas avec ça. Non. Non, joue pas avec ça, là. Non, non, touche pas à ça. Touche pas à ça. Non, laisse faire. Papa va te servir, là. Papa va manger. Possible qu'elle revienne au matin, tu sais. C'est pas impossible, ça. Ça s'arrange, ces affaires-là, des fois. Le matin. Il n'engagera jamais Linda, tu le sais aussi bien que moi. De toute façon, on va avoir à peu près une dizaine d'offres avant la fin de la semaine. Touche pas à ça, j'ai dit. Touche pas à... Hé, mon gars, il y en a partout, là. Oh, c'est vrai que tu m'as manqué, Judy. Jacques, you don't mean to tell me you traveled all the way across the ocean just to tell me that? So, how's Jimmy? Ah, merveille, je pense. Ben, une nouvelle blonde. Tu ne jamais qui? Marie-France Gagnon? Il m'a téléphoné. Oui, oui, faites entrer. Des nouvelles de votre fille? Oh, je pense qu'elle va s'en tirer. Mais dans l'état où elle va rester, je ne sais pas. Mais vous n'êtes pas venu ici pour me parler de ma fille. Qu'est-ce que vous voulez? Madame Faulkner, le départ de Linda Hébert et le transfert du National... Tout cela a été très mal reçu par les journalistes, qui voient une ingérence. Michel Trépanier, j'entretenais beaucoup d'espoir pour ma fille. Je pensais qu'elle me remplacerait un jour. C'était ma dernière illusion. Maintenant, il me reste la Faulkner Corporation. Et je ne laisserai personne dicter ma conduite. Personne ne m'arrêtera. Alors, vous êtes avec moi ou contre moi? Allez donc dire à vos journalistes que je n'ai rien à faire de leurs scrupules. Que je vais acheter le National et le transférer là où j'en ai envie. Sortez maintenant. Fait que là, c'est ça. Je leur ai dit 19, mais nous autres, on ne pouvait pas ni le 22. Mm-hmm. Fait qu'eux autres, ils n'iraient pas avant le 26 ou le 27. Ouais. Mais attends, je vais te montrer la bouteille. Ouais, c'est ça. Tu sais, avec le petit 7-11, t'as le bon parfum en toilette, whatever, tu sais.
Ben non, mais Marie-France, il me semble les côtes de cuisse par là. Je veux voir les nouveaux souliers. Je vais aller voir les souliers. Bon, ben, très bien que le meeting, là. Est-ce que je peux vous aider? C'est vrai que t'achètes ce parfum-là puis t'es sûre de plaire à la fille de tes rêves? Ça dépend de la fille. Ah, c'est une très belle fille. Caractère effrayant, mais qu'est-ce que vous voulez? Je l'aime. Mm-hmm. Ben, achetez-lui notre parfum, puis appelez-la. Je suis sûre qu'elle refusera pas votre invitation. Hmm? Je vais en prendre deux bouteilles. Et tu penses pouvoir trouver les 21 millions? Je suis certain. Il n'y a pas une banque qui va prêter 21 millions dans le petit marché de Québec. Tu le sais aussi bien que moi. L'argent, je vais la trouver. Ce dont j'ai besoin, c'est l'appui du Canadien à la prochaine réunion des gouverneurs. C'est quoi l'appui du Canadien? Appui à quoi? C'est pas compliqué. Si on trouve l'argent, si on a 2 millions en fonds de roulement déposés en garantie, si on a le bail du Colisée, si les propriétaires sont Québécois, allez-vous voter pour nous autres le 2 avril? Si vous remplissez toutes ces conditions, on va être de votre bord. Mais faites-vous pas d'illusions. Si vous offrez 21 millions, John Faulkner va tout de suite en offrir 22. D'ailleurs, à la dernière réunion des gouverneurs, il était évident que John Aylmer favorisait la candidature de John Faulkner. Et pas du tout celle du groupe de Tanner. Même qu'il y allait pas mal fort pour Mme Faulkner. T'es sûr de ce que t'avances? Il nous a informé que Tanner voulait transférer la franchise à San Francisco. Il nous a jamais dit que John Faulkner voulait transférer la franchise du National à Hamilton. Je l'ai appris comme toi, par les journaux. Merci pour le tuyau. Écoute, Gilles, on aime ça vous haïr. C'est bon pour nous autres de vous avoir tout le temps dans les jambes. On va être de votre bord. T'as ma parole. Le mécontentement populaire commence à se manifester à Québec contre le déménagement du National à Hamilton. Et la propriétaire du matin, également celle qui veut acheter le National, Mme John Faulkner, a été pendue en effigie, ici, au Colisée. Sylviane Martel, à Québec, pour Québec ce soir. Hey Bob, la game sera OK? Ouais. Je veux dire que tu nous reviens. Pas de face avec ça, là. Danny? Oui, bien. En forme? Oui. Ici, une seconde. Il reste 12 games. On est à 4 points des Whalers. On va faire des playoffs. Il faut que tu te décides. Quoi? Moi, quand je suis arrivé ici, il fallait que je me taille une place dans le vestiaire. C'est à ton tour. Ouais, mais c'est à moi de parler? OK, les boys. Présentement, là, il se passe des affaires avec le club. Des affaires bien importantes. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais dites-vous bien qu'à soir, il faut qu'on gagne. OK? Du cœur. Right? Let's go. Du cœur, du cœur. On sait même pas s'il va lever avec le club. Hey, ferme la don, la berge. Qu'est-ce que tu veux, de cowboy, hein? OK, OK, les kids, là, ça sert à rien de brasser à la cage, là, hein? Tout dans le même bateau, ici. Bob. Tu parlais d'Annie? Moi, avec, c'est mon équipe. C'est pas rien qu'à vous autres, les vétérans. Je trouve que vous oubliez vite. Vous autres, vous l'avez, votre bague de la Coupe Stanley. Et moi, avec, j'en veux une. Aidez-nous donc à la gagner! Ouais. Il a raison, Danny. Moi aussi, je la veux, ma Coupe Stanley! Le National, là, j'ai toujours pensé que c'était une gang de winners. C'est vrai? Je pense que vous avez compris, gars. Let's go for it, boys! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go!
continue comme ça, on fera pas juste les playoffs. J'espère. Linda, j'aimerais ça que tu me checkes quelque chose. Je me demande si John Elmer mange pas dans la main de John Faulkner. Pourquoi? J'ai toujours demandé pourquoi Elmer avait bloqué la vente de pierre à Toronto. Là, je viens de parler à Courtois du Canadien. Si Elmer est contre nous autres, on est tout de le savoir tout de suite. Le but du National, compté par le numéro 25, Danny Ross. J'ai oublié de te donner l'échantillon de mon parfum. Mais il faudrait que je passe par chez nous, puis j'ai pas d'auto. Je peux te donner un livre, si tu veux. Je veux emprunter 21 millions pour acheter le National de Québec. 21 millions? Si ça vaut 20 millions pour les Ontariens et les Suisses, ça doit valoir 21 millions pour les Québécois. C'est une opération complexe. Avez-vous la concession? Je peux seulement avoir la concession si j'ai la garantie de financement. Je vois pas comment on peut garantir le financement sans la concession. Savez-vous ce que ça représente, les intérêts de 21 millions? Même pour un mois? Au moins le prix de ma maison. Non, pour être franc avec vous, aucune institution financière ne pourrait vous garantir plus de la moitié du prix demandé par M. Goldman et la Ligue nationale. Il vous faudrait un dépôt beaucoup plus élevé qu'un million de dollars. Et malgré ça, il vous restera encore 10 millions et demi à trouver. Les gouvernements? Pour une équipe de hockey. Le National, une équipe de hockey? Trois Coupes Stanley, tout l'argent que ça déplace, c'est plus qu'une PME, c'est une institution. Votre banque voudrait que les Québécois perdent ça? Monsieur Guilbeault, j'ai mes billets de saison. J'ai pas manqué un seul match du National durant les 7 dernières années. C'est une question de finances. Si vous me demandiez 1 000, 2 000, 5 000 $, je vous les prêterais personnellement. Mais il y a des choses que je peux pas faire. Que pas une banque ne va faire. Comprenez-moi? Vous me prêteriez 1 000, 2 000, 5 000 $. Pourquoi? Parce que Conrad Benoît veut lui aussi garder son club de hockey dans sa ville. What's wrong? Ah, des fois, j'ai l'impression de m'être trompé. Mais d'autres fois, d'avoir été correct. Tu étais devant toi, teneur aussi? Peut-être. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir trahi le monde de Québec. Sans le vouloir, mais... Oh. Pense plus à ça. L'important, c'est que tu sois ici maintenant. Ah, justement,
Tu te souviens de Jerrings? Ouais. Il m'a demandé de coacher Maple Leafs. J'ai un job, j'ai juste à dire oui. Mais si j'y vais, on part ensemble. J'y vais pas, c'était pas là. Jacques. Non. Pourquoi? On serait bien à Toronto avec Jimmy. Les Leafs sont jeunes. Dans 2 ans, 3 ans maximum, cette équipe-là va tout gagner. Jacques, j'ai dit non. Je suis bien en Suisse. Je travaille en Suisse. Oui, mais Judy, ça fait 4 ans qu'on est en Europe. Le hockey, c'est en Amérique que ça se passe. Tu pourrais chanter à Toronto. I don't want to sing in Toronto. I'd have to start all over again. Look, I have a good contract here, a big tour coming up. Listen, there's more to life than hockey. Écoute, je veux pas commencer à rester à la maison à t'attendre. La Suisse, c'est pour Jimmy. Là, on s'en va à Toronto. Vas-y, si tu veux. Moi, je reste ici. Ben, je passerai pas à côté d'un défi comme celui-là, comme ça. Jacques, you have nothing more to prove as a coach. J'ai encore tout à prouver. Ailleurs! Ben, vas-y ailleurs, mais sans moi! Ça va être dur. J'ai fait le tour de toutes nos institutions financières, m'ont toutes donné la même réponse. 1 million près. Qu'elle te prêterait pas plus que 10 millions, c'est ça? C'est frustrant. Et le pire, c'est que tous ces gens-là seraient prêts à investir leur propre argent. Mais leur propre argent. C'est ça la solution, leur propre argent. Qu'on aille public, une coopérative, je sais pas moi. Il manque 10 millions, c'est quoi 10 millions? Ben, c'est 10 000 fois 1 000. 10 000, ben, c'est un peu moins que le nombre des billets de saison du National. C'est ça. Non, mais Pierre a raison. Pourquoi est-ce qu'on vend pas des parts de 1 000 pièces à tous ceux qui ont des billets de saison? C'est ça l'affaire. Le Monde de Québec, propriétaire du National de Québec. C'est génial, ça. Hein? Le National sera nous autres. Faut que tu partes. Ouais, faut que je parte, faut que j'aille voir mon comptable, savoir combien je vaux. Je vais mettre ma maison garantie. C'est sérieux, votre affaire? Ben, je comprends que c'est sérieux. Tu comprends, si le National est vendu, j'ai pas coaché à Hamilton ou San Francisco. Je vais me retirer comme coach. Parfait, ça. Tu vas pouvoir passer plus de temps avec moi. Ah ben oui. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Tu pourrais me trouver une job, toi? Je pourrais m'occuper de tes campagnes de publicité. C'est ça, Marie. Dis à M. Benoît, le directeur de la banque, que je vais être au bureau dans 1 heure. Puis je tiens à parler à Marc Gagnon avant que son avion quitte l'aéroport. Tu vas me rejoindre Pierre Lambert, je veux qu'il soit là lui aussi. Puis Maître Savard va m'accompagner au meeting. C'est ça. Merci. Je suis contente, Gilles. C'est le plus grand défi de ma carrière. On joue dur un matin, ça va donner un grand coup. On va demander aux joueurs s'ils veulent investir, s'ils veulent mettre leur scène. Coudon, ton ministre de la petite entreprise, on va-tu finir par le voir? Oui. Maître Heller est ici. Dites-lui d'entrer. Le ministre des petites entreprises nous reçoit vendredi. Monsieur Guilbeault, on a eu nos différends dans le passé, mais lorsqu'on a annoncé que la Nationale allait être transférée, mes enfants avaient des larmes aux yeux. Alors j'ai compris. Vous avez mon support complet et entier. Si vous le voulez. Maître Allaire nous a obtenu le rendez-vous avec le ministre. Je l'apprécie grandement. Merci, maître. OK, gars, en arrivant à Chicago, serrez vos valises, puis venez vous prendre, on va avoir un meeting tout de suite. À propos de la game? Non, à propos de quelque chose de spécial. Tu peux parler, Marc. On dit l'ordre. Tu nous connais. Ouais, justement, moi, ouais, je vous connais, ouais. Voulez-vous une bonne histoire? On va vous en conter une grosse. La meilleure de votre carrière. Tout le monde, moi le premier, on a eu une année de cul. Autant au deuxième étage que ça a de l'as. On s'est fait barouetter de San Francisco à Hamilton sans qu'on ait rien moitié. Ça, c'est vrai. Ouais, c'était écœurant, ça. Mais là, c'est fini. On va l'avoir à notre moitié. Gilles Guilbeault, Pierre Lambert, un autre associé, puis moi, on essaye d'acheter le National de Québec. Pardon? Acheter le National? Ouais. Guilbeault, il choisit toi. On n'a pas les 21 millions que ça nous prend, mais on est bien décidé. Puis là, on a besoin de vous autres. D'abord, ça commence, on va se remettre à gagner. Ça commence à être gênant. Là, le club est formé, il n'y a plus d'excuses. Personne ne va être échangé, il n'y a personne qui va descendre des mineurs. C'est le temps de donner un coup.
Je vais vous expliquer notre plan, puisqu'on attend de vous autres, les joueurs du National. Non, vous allez l'avoir d'ici une heure, mon article, je suis en train de l'écrire. Là. Oh, excusez-moi, ça sonne à la porte, faut que j'aille répondre, OK? Attends là. Comment ça va? Tiens, non, Linda. Comment ça va? C'est pas facile, mais ça va aller. Ouais. Assieds-toi, faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de toi. Je pars pour Toronto, puis je vais aller à Hamilton aussi. Toronto, pourquoi faire? Écoute, Lucien, on est en train de ramasser 21 millions. Si la Faulkner a été capable de cacher toute une annexe à son œuvre d'achat, ça veut dire qu'elle est capable de cacher bien d'autres choses. Alors moi, j'ai envie d'aller fouiller dans ce merdier. T'as-tu de quoi de précis? Non. Mais je veux avoir toutes les informations. Je les veux toutes. Sais-tu ce qui me fait le plus peur? C'est que quand on va avoir ramassé le 21 millions, elle va en ajouter une coupe de plus. Ça nous prend les quatre as dans notre jeu avant la dernière partie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lucien Boivin, John Faulkner est en train de faire construire une aréna à Hamilton. Ça veut dire qu'elle préparait le transfert du National depuis un bon bout de temps. Pour commencer des travaux de construction, il faut drôlement être sûr du résultat, non? Je pense que je vais avoir besoin d'aide. Linda, t'as juste à m'appeler, je fais mes valises puis j'arrive. Ça fait qu'en gros, les gars, c'est comme ça qu'on va financer le projet. Ouais, ça peut marcher. Dryden, Stapleton et Backstrom ont fait la même chose à Chicago avec les Cougars de l'AMH. Ben oui, puis nous autres, on est bien plus que ça. Ben quoi? Ben voyons, Bob, on a un nom. National, c'est connu depuis des années. On a une clientèle, on a une ligue, on a des contrats de télévision, on a des contrats avec les joueurs, on est une équipe. Une équipe qui a gagné des Coupes Stanley. Ben oui, mais nous autres, là, on fait quoi là-dedans? Bon, ben c'est ça. Là, on vous offre un poste au conseil d'administration. Ça, les gars, ça veut dire que vous allez vous nommer un représentant qui va être sur le conseil avec nous quatre. On vous demande de trouver 200 000 piastres. Ça veut dire qu'à nous cinq, on va avoir notre premier million. Ça, c'est 10 000 piastres par joueur. C'est sûr que quand un gars y est échangé ou qu'il prend sa retraite, il retouche son 10 000 plus ses intérêts. Faut vous voyez ça comme un investissement. Un club de hockey de la Ligue nationale, quand ça marche, c'est payant. C'est un investissement qui va garder le club à Québec. Parce que dites-vous bien que si on fait pas ça, c'est fini, National à Québec. Nice. OK, bon, ben, meeting en arrivant à Philadelphie, les gars. Et puis nous autres? Nous autres, écrivez ce que vous savez. Pas pour la guerre. Tu auras une réponse ce soir? Dans un sens comme dans l'autre, Carl. OK. Ben, vous voyez bien que ça marche? Ouais, ça arrive si tout se passe comme vous l'espérez, mais... si vous avez une mauvaise saison, si vous jouez devant des gradins à moitié vide, comme c'est déjà arrivé ailleurs. Si toi, Pierre, tu peux pas venir au jeu, vous faites comment pour rembourser la dette? Faut pas imaginer le pire. Non, mais il faut prévoir le pire. Si tout se passe comme vous l'espérez, vous allez avoir des économies de 10 000 Québécois. Encore faut-il que vous soyez capable d'aller chercher 10 millions dans le public. Et si c'est le cas, chacun se croira propriétaire unique du National. La pression va être terrible. Ça peut pas être pire qu'au Garden de Boston un jeudi soir dans les playoffs. Et l'implication des joueurs, avez-vous des nouvelles? J'attends un téléphone de Marc Gagnon dès ce soir. Chris, ça a bien été long. Ouais, mais ça valait la peine. Puis, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Tout le monde embarque. Là, le premier chèque. All right. Allez, je suis content. Ça va marcher, tu vas voir. Ah ouais, si jamais j'étais obligé de te coller sur le banc, là... Ouais, je le sais, ça te briserait le cœur, hein? Ouais, c'est ça. C'est que tu l'as dit. Un seul match hier soir dans la Ligue nationale de hockey. Le Canadien a perdu 1-0 contre les Sabres de Buffalo dans un match terne. Le but des Sabres appartient à Pierre Turgeon. Par ailleurs, une autre bombe vient de secouer le monde sportif de la ville de Québec. La saga du National se poursuit, alors que l'on vient tout juste d'apprendre que Gilles Guilbeault, Pierre Lambert, Marc Gagnon et un quatrième partenaire s'apprêteraient à déposer une offre d'achat auprès de la Ligue nationale de hockey. Le projet du groupe Guilbeault impliquerait les joueurs du National et une grande corporation financière de la vieille capitale. On sait que la Ligue nationale a déclaré qu'elle attendrait le 2 avril avant de statuer sur les offres du groupe dirigé par Frédéric Tanner et du groupe dirigé par John Faulkner. Il semble bien maintenant
que le 2 avril, les gouverneurs de la Ligue nationale devront choisir entre trois groupes. C'est incroyable! Mais ils sont complètement fous! Qu'est-ce qu'ils croient que je vais les laisser faire? Ils ne sont guère dangereux. Justement, pourquoi ne pas les bloquer au Conseil des gouverneurs? Seulement si je les bloquais. Qui donc nous soumettrait un offre valable? À part ça, ils douteraient de mon impartialité. Je prends des risques énormes, John. Ta part du contrat, c'est de me fournir une équipe pour mon aréna la saison prochaine. Vous êtes bien alarmiste. Et toi, pas assez. Ils n'auront jamais les 20 millions de dollars pour le 2 avril. Il y a même Papa Noël. Regarde, Papa Noël. Oui, Papa Noël. Prends ça, la Papa. C'est ça. Hein? Oh, Lulu, c'est tellement plate que t'ailles à Toronto. Ah, mais j'avais promis à Linda que si elle avait besoin d'aide, tu sais, qu'elle m'appelle. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Oh, ben, t'as connais. Elle m'a juste dit grouille-toi le cul, c'est urgent. Mm. Tu vas me téléphoner, hein? Ah oui, certain, voyons. Je m'en vais juste deux jours, là. Oh, je vais tellement m'ennuyer de toi. Tu m'aimes-tu? Si je t'aime, elle me demande si je l'aime. Mm? S'il vous plaît. Presque pas, non. Mon action de 10 000, je vais faire quoi pour payer ça, moi? Facile. Juste à gagner à Coupe Stanley. On va l'avoir là-bas. OK, les gars, le Spectrum de Philadelphie, c'est toujours bien impressionnant. On est tous passés par là. Mais à soir, si on joue ensemble, il n'y a personne qui va nous arrêter. Puis pour la première fois depuis longtemps, on a une maudite bonne raison d'être ensemble. C'est pas les discours, c'est pas l'argent qui va nous motiver. À soir, les boys, on joue pour notre club à nous autres. C'est notre business qu'on défend. Pensez à ça. OK? Let's go! Let's go! Ah, Monsieur Guilbeault. Félicitations pour la belle victoire d'hier soir. 5-1 au Spectrum, c'est quelque chose. Merci. National, c'est une bonne équipe. Si on peut régler nos problèmes de propriétaire, on va faire des miracles. P. Bonne nouvelle. J'ai consulté le siège social. Nous pouvons vous garantir 10 millions dès que vous pourrez fournir votre moitié de financement. La marge de crédit, qui va la garantir? On n'avait pas parlé de marge de crédit. C'est moi qui vous en parle. Monsieur Benoît, vous apporte 11 millions en cash. Vous ne faites tout de même pas la charité. Non, c'est vrai, c'est pas la charité, mais c'est quand même un risque que prend la banque. Un risque? Quel risque? Avec le national? Allez-vous prendre une part? Tout de suite. Je crois en votre organisation. Le National a gagné 3 Coupes Stanley dans sa glorieuse histoire. Le National a aidé à faire connaître le nom de Québec dans le monde entier. Le National fait partie de notre vie. C'est nous autres. Aidez-nous à sauver le National. Devenez un des propriétaires de votre équipe de hockey. Achetez une part du National en renouvelant votre billet de saison. Le National, c'est une équipe gagnante. On n'a pas de temps à perdre. Coupé! Correct? Yeah! C'est bon, Pierre. C'est bon. On est prêt. Quand est-ce qu'on va lancer la campagne? 3-4 jours. Le ministre responsable des PME examine les documents, mais j'ai une meilleure nouvelle que ça. Ce matin, j'ai rencontré des gens de la Chambre de commerce. Ils embarquent. Ils embarquent? C'est bon, ça! Hey, t'as un vrai travail de moine, tu me demandes là, Linda? Lucien, faut d'abord trouver à qui appartenaient les terrains vendus à la Faulkner. Je sais que c'est Faulkner qui a acheté les terrains, mais as-tu vu la quantité de transactions qui remontent aux anciens propriétaires? Ben justement, c'est là-dedans qu'il faut chercher. OK, correct. Je vais juste aller faire un petit téléphone à Jojo, juste savoir... Lucien, on travaille, OK? OK. Je vais téléphoner plus tard, presque pas. Je vais juste savoir comment ça allait avec les jumeaux, mais...
pas grave. Bien des papiers ici. Oh, là, c'est un autre papier. Depuis le départ, je suis contre ce projet. Et maintenant, les circonstances me donnent raison. On ne veut pas de nous dans la Ligue nationale. Et depuis que notre offre d'acheter le national est publique, la vente de nos produits au Québec a chuté dramatiquement. Et les bénéfices énormes que nous pourrions réaliser si notre offre était acceptée? Notre offre est ferme à 20 millions. Or, les Québécois se proposent d'y offrir 21 millions. Oui, d'après mes renseignements, ils sont pas prêts de trouver le financement. Ce ne sont pas les Québécois qui m'inquiètent, mais la Faulkner Corporation. Que faisons-nous si elle met 1 million de plus? Eh bien, on renchérit. Frédéric, grâce à vous, nous sommes en train de perdre un marché où nous étions chef de file. Et le marché américain ne nous est pas acquis. Nous ne possédons pas les ressources pour concurrencer la Faulkner Corporation. Non. Je propose que notre offre soit retirée. Tous ceux en faveur du retrait de l'offre? Vous avez tort. Oubliez le hockey nord-américain. Concentrez-vous sur refaire notre image dans l'Est du Canada et restez avec votre budget initial de publicité. Here we go, gang. Bonne game, les gars. Bonne pratique le matin aussi. Certains sont capables d'aller chercher les Wheelers. On a encore le temps si on perd plus de game. Les Wheelers ont battu Toronto hier, ça veut dire qu'on est encore à 4 points. La grosse game, les boys, la grosse game importante, c'est la prochaine contre Toronto. Casse pas la tête, coach. Puis Bob, penses-tu qu'on va avoir Lambert cette année? Ouf, je mettrais pas un vieux deux là-dessus, moi. M'a dit, si Pierre revient pour le jeu, tu sais qu'il va nous traîner dans la série. Danny Ross et Étienne Tremblay. Puis m'a dit, on va les faire. Hey, c'est-tu le fun de gagner? C'est pas mêlant, je me sens 10 ans plus jeune. 10 ans plus jeune? Souviens-toi comment c'était aussi. Un hostie de fou, Bob. Un hostie de fou. Salut. Wow! T'es bien belle aujourd'hui? Ben la vie est belle, mon Louis. Puis je suis amoureuse. Je m'en vais rejoindre Marc à New York, c'est une surprise. Le chanceux. Ah. Le ministre vous attend. Bonjour, M. Guilbeault. Marcel. Bonjour. Asseyez-vous, j'en prie. J'ai de bonnes nouvelles pour vous. Vous le savez, la Ligue nationale ne permettrait pas à une équipe de devenir une propriété publique cotée à la bourse. Le Conseil du Trésor va donc adopter cet après-midi un règlement qui va vous permettre de former une société en commandite sans attendre les délais légaux. Le gouvernement va administrer et garantir l'argent de ceux qui voudront investir dans la société en attendant que votre groupe obtienne la concession. Quand est-ce qu'on pourrait lancer notre campagne? Si tout se passe normalement, dans une heure, M. Guilbeault. Tous vos documents sont prêts? C'est notre participation dans votre aventure. Vous ne la regretterez pas, M. le ministre. Puis on va s'arranger pour que tous nos actionnaires votent pour vous. Alors, j'en demande pas tant, mais ramenez-nous une coupe Stanley, ça va faire notre bonheur. Marcel? Merci, Raymond. Puis? Non. Il y a rien d'irrégulier côté radio ou télévision. Puis toi? Ben moi, j'ai trouvé de qui Joan Faulkner avait acheté ses terrains. Elle a acheté ça d'une compagnie qui s'appelle la MPA Development Corporation, qui elle-même les a achetés d'un fermier d'Hamilton qui s'appelle Jim Sloan. Un fermier? Oui, madame. Écoute bien la meilleure. Jim Sloan a reçu 450 000 $ pour ses terrains de la MPA, qui elle-même a revendu à Mme Faulkner, sais-tu combien? 3 millions. Allô, profit, toi? Ben, mon petit Lucien, tu vas te payer une jolie petite visite à la campagne chez M. Sloan, pendant que moi, je m'occupe d'en savoir davantage sur la MPA Development Corporation. OK? Parfait. 5 minutes. Bye. Oublie pas, Gilles. L'argent que les Québécois voudront investir dans leur équipe sera déposé dans un trust, administré et garanti par le gouvernement jusqu'à ce que la concession soit obtenue. Je le sais, Marie, je le sais. Oui, autre chose. Il faudra se servir des chiffres fournis par le maire de Québec. Les retombées économiques engendrées par le national sont importantes et... Dis-moi pas ce que j'ai à dire. C'est facile, je dis la vérité. Okay.
Ouais, ben moi, ça m'a toujours fatigué, New York. M'a monté. Salut, Bob. Tu viens, kid? Déjà? Pas drôle d'être vieux, hein? Tu connais de Bordeaux? Bon, ben moi aussi, je vais y aller, Marc. Salut. Salut, Fern. Salut, coach. M. Guilbeault, vous avez annoncé aujourd'hui que votre groupe lançait une très vaste campagne et votre but, c'est de ramasser finalement 10 millions de dollars auprès des partisans du National. J'aimerais apporter une précision. Ce n'est pas seulement les partisans du National, mais toute la population. Mm-hmm. Ceux qui sont intéressés à conserver à Québec l'institution, l'industrie qu'est le National. Mais les premiers résultats ont déjà commencé à rentrer et je pense qu'on peut dire que ce soit les partisans du National ou les autres, on a répondu d'une façon très enthousiaste à cet appel que vous avez lancé. On est très content. On a vendu 156 parts entre 2h et 5h et sans aucune publicité. Ça va très bien. Mais dans tout ça, la Ligue nationale, M. Goldman, leur réaction. M. Goldman est un Québécois de tout cœur. S'il vend le National, c'est à cause de raisons strictement personnelles. Nous, on pense être en mesure d'offrir à la Ligue 21 millions. Je pense que la Ligue va être très contente de voir que toute une population appuie son équipe. Et vous croyez-vous, M. Guilbeault, que la Faulkner Corporation et le groupe représenté par M. Tanner vont abandonner la lutte aussi facilement que ça? Que ce soit le groupe de Faulkner ou celui de M. Tanner, ce sont des entreprises milliardaires. Ça n'a pas le même impact que ça a chez nous. C'est notre vie. Et puis, on ne peut pas aller contre les désirs de toute une population. Hello. Nous sommes prêts. John Elmer, please. Nous allons donner aux gens de Québec une équipe compétitive et nous sommes très positifs. Monsieur Guilbeault, je vous remercie. Nous sommes de retour après la pause. Allô, John? Si le groupe Guilbeault arrive avec les 21 millions, je mets un autre million. Et s'ils arrivent avec 22 millions, je mettrai 23 millions. C'est compris? C'est ça, oui. Do you have a light? Yep. I'm sorry, but I think you picked the wrong number. Suzy? Suzy! Suzy! Suzy, attends. Attendre quoi? Je vais te parler. Je sais ce que tu penses, mais tu te trompes. Ah oui? Je la connais même pas, cette fille-là. Va-t'en pas. Pourquoi je m'en irais pas? Parce que je suis tanné que tu partes. Je suis tanné que tu t'échappes. Suzy, je veux plus te perdre. Je t'aime. Je t'aime plus que j'ai jamais aimé personne. Je veux que tu restes avec moi. Je veux qu'on se marie. Moi aussi, je t'aime. Mais tu sais... Moi aussi, je veux qu'on se marie.